Ok, on va aller à leur rencontre, mais avant on va voir directement Vito, ça roule? Gino. Ok, on y va. Il va nous expliquer un petit peu, je te fais les présentations, je le connais plutôt bien, si jamais ça s'est pas fait entre temps. Il me connaît, hein? Ouais, mais vous avez beaucoup discuté ensemble ou un tout petit peu? Pas beaucoup, non. Il vous connaît sur l'illégal? Bah, comment te dire? On les a un peu aidés, on a soufflé les familles. D'accord, mais il vous connaît démasqué, quoi? Oui, et masqué. Ok. Il connaît le groupe, il sait qui on est, hein? Ok, d'accord. Ah, bah ouais, je savais pas. Mais il sait pas que t'es dedans, donc on peut la jouer aussi un peu double jeu. Je vais pas te présenter en tant qu'un membre du groupe, j'ai présenté en tant que taxi, d'accord? Ok. Voilà. Parce qu'on n'est pas censé parler d'illégal, il est juste. Il va juste m'expliquer un peu. Quoi de beau, quoi. Très bien, mais je ferai comme si je le connais pas, là. Alors attends, parce que leur villa, c'est toujours un bordel pour y aller. Voilà. Bon, j'ai hâte d'en savoir un peu plus, parce qu'il m'a dit qu'il a beaucoup de choses à dire. Ouais, bah j'ai l'impression. Oh putain, je viens de perdre ma vitre arrière. Ah ouais? Ouais, rien, c'est un petit impact sur le pare-brise. Bonjour, messieurs. Bonjour. Si. Ah, bah il est pas encore ici. Bonjour, il est où Vito, là? Gino. Dehors. Ah, putain. Bonjour, monsieur McCallaghan. Vous allez bien? Bonjour, vous allez bien, monsieur? Mais attendez, c'est Gino, ouais, ça? Ouais, c'est moi, ouais. C'est quoi ce maquillage? Je me suis laissé pousser les cheveux, bordel. Putain. Et c'est pas du maquillage, c'est qui me rend de tout ce fou là-dedans. Et je vais finir par mourir, je vais pas passer l'hiver, c'est moi bon, qui vous le dis. Calmez-vous, je... monsieur, faites-moi un bisou, là. Je suis mon médicament. Est-ce que quelqu'un a un couteau? Oui, venez. Bonjour. Qu'est-ce que tu veux, toi? Moi, j'ai un poing américain, c'est tout vaut, mais c'est pour le mettre dans ta tête. Est-ce que toi, un couteau à me donner? Oui, un couteau, poing américain dans la gueule. Toi, un couteau à me donner. Non, je suis l'ornithorynque, putain de merde. C'est l'ornithorynque, d'où Jésus. Oh, voilà. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Non, attendez, vous explique. Calmez-vous, là. Ouais. J'ai pas un couteau. Toi, un couteau, toi. Bon, quelqu'un l'amène acheter. Ou ce qu'il veut. Allez-y, là, dépêchez-vous, je veux plus le voir. Ta gueule, tu me parles pas comme ça, tu respectes pas le céleste. J'en ai rien à foutre de l'ornithorynque. Non, on va se dire ce que vous voulez. Je vais lui péter la gueule, là. Non, tu vois pas me péter. Retiens-moi. Oui, mais. Ne fais rien. Je bouillonne. Calmez-vous, s'il vous plaît. Un couteau. Et donnez-lui un putain de couteau, un couteau à beurre, quelque chose, bordel, là. Qu'ils se foutent en l'air et qu'on n'en parle plus, là. Bon, viens là. Eh, bouge pas. Oui. Voilà, comme ça, tu es content. Barre-toi. Merci. Qu'est-ce qu'il va faire? Vous lui donnez un couteau? J'en sais rien. Je le suis ou pas? Rien à foutre. Bon, venez. Bon, viens, Emmanuel. Reste près de moi, parce que là, ça a l'air bizarre, ce qui se passe. Ouais, c'est assez coloré ici, dis donc. Ouais. Enchanté, bon, monsieur Gino, ravi de vous rencontrer. Bah, ravi de vous revoir. Vous êtes on s'est jamais vu, monsieur Gino. Qu'est-ce qui s'est passé? On s'est jamais vu. Non, on s'est jamais vu. Ah bon? Bon, enchanté, bah, très bien. Du coup, Emmanuel. Enchanté. Ah, ben oui, je confonds avec votre. Enfin, non, c'est même pas votre cousin. Enfin, bref, je sais plus. Vous touchez tout le doigt, c'est incroyable. Oui, c'est. On est connecté. Bon, si. Je vous présente Emmanuel, chef taxi. Très bien. Oh, très enchanté, Emmanuel, vous êtes très beau. Vous aussi, monsieur. Vous me rappelez un certain week. Oui, on me le dit souvent. Monsieur Gino, si je puis me permettre. Gino Wick, oui, c'est moi. Mais vous êtes. Qu'est-ce qui se passe? Expliquez-moi, parce que là, vraiment, je comprends pas, là. Oh, écoutez, il s'est passé tellement de choses, monsieur McCallaghan. Oh, bordel. Comment ça, en 5 jours, il a pu se passer autant de choses? Mais oui, l'autre, il est devenu complètement cinglé. De qui? Vous savez, il me fait tout un fromage pour. De qui l'autre? Vito. Votre chef? Oui. Enfin, c'est plus le chef maintenant. Pourquoi? C'est qui alors? C'est moi. C'est moi. D'accord. Qui m'occupe des affaires. Non, mais bref. Mais qu'est-ce qui s'est passé là? Il est totalement en dépression, monsieur. Totalement en dépression. À cause de ma sœur. Parce que je lui donne pas ma putain de bénédiction. Il me casse les couilles, il a voulu se suicider. Votre sœur, elle est où? Elle est... Bah, elle est en train de dormir, là. C'est la personne... Oh, putain. Voilà. C'est... Bon. Réveillez-la, là. Attendez. Debout, s'il vous plaît. Attendez, vous passez d'italien à gothique, vous, maintenant. Et, par contre, tu touches pas à ma sœur, sinon je te tue, hein. C'est ok. Mets-lui de l'eau sur le visage, voilà. Ça va, Emmanuel? Oui, ça va, et vous? Bah oui, t'as l'air concentré là, qu'est-ce qui se passe? Oh, c'est ma sœur qui me donne de ces nouvelles. Faut pas me réveiller comme ça, c'est pas possible ça. Si, Don Gino, il a dit de vous réveiller. Si, bon. C'est vrai, bonjour. Pardon, je m'en... Donc... Bon bref, pour faire simple, c'est moi qui m'occupe des affaires maintenant. Non, mais j'ai attendez, un souci. Attendez, votre ami là, vous comptez le laisser dans son état Bah non, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Il se prend pour un ornithorynque sacré. Donnez-lui votre sœur et au moins il reviendra normal. Mais je lui ai dit, il me vaut plus, il me déteste, il faut l'éliminer. Il la veut plus. Bah alors, il veut quoi là? Je sais pas. Non mais là, mais si vous partez en couille là, c'est pas possible. Ah bah moi personnellement, j'ai repris les affaires, tout marche comme sur des roulettes. Il y a que lui qui fait de la merde. Mais vous êtes même plus italien, putain, regardez-vous, il y a plus rien d'italien en vous. Mais calmez-vous, vous savez pas par quelle étape je suis passé, bordel. Ouais, vous êtes parti pendant 2 semaines là, je ne sais où. Une semaine, 2 semaines, moi je dis. Voilà. Moi, c'est une semaine parce moi, c'est que deux. Une okay, moi c'est deux. Bah, je réduis à deux. Voilà. Vous êtes dur en affaires. Au-dessus, j'ai une famille à nourrir. Oui, bien sûr, je comprends. Une semaine, donc disait. 2 semaines. Oui. Qu'est-ce que vous voulez savoir du coup? Tout savoir, c'est quoi vos conneries? Vous allez aller où là comme ça? Bah écoutez,
Moi, j'ai repris les affaires de ma famille. Pour l'instant, tout marche comme sur des roulettes. Ouais. J'ai commencé à faire de l'argent. Voilà. Ouais. Après, je vais pas vous raconter ma vie. Bien sûr, ouais. J'ai un souci avec les bikers. Il faut faire très attention à eux, les bikers du Nord. Ah, d'accord, d'accord. Ça, je tenais à vous en parler. Oui, bah dites-moi, expliquez-nous, s'il vous plaît. Voilà. Calmement, et tout va bien se passer. Oui. Allez-y. Écoutez, je suis associé à plusieurs groupes qui ont des soucis avec ces gens-là. D'accord. De vous plus. Vous dire les groupes, s'il vous plaît. Ah, écoutez, pour entre l'instant. Entre nous, on s'est jamais rien caché. Entre nous, bon, ils ont pas de nom, mais c'est un groupe très discret pour l'instant, c'est le plus discret en ville. Est-ce qu'ils ont des masques d'animaux? Non, enfin oui, ils ont des masques d'animaux, mais pas tous. Voilà, vous voyez à peu près. Ouais. Je m'entends très bien avec les bikers, mais de la ville, voilà. Ouais. Pour l'instant, eux, ils sont pas trop dans le business, d'accord. Pour résumer. Ouais. Bon, il y a vous. Ok. Voilà. Et du coup, ces bikers du Nord ont aussi tabassé Vito, ou l'ornithorynque, comme vous voulez. Mais comment ça, l'ornithorynque, putain? Mais il se prend pour il se fait appeler ornithorynque maintenant. Et c'est qui, les bikers du Nord ont tabassé Vito? Oui, ils l'ont tabassé, ils lui ont brûlé les mains, ils lui ont fait les pires horreurs. C'est pour ça qu'il est devenu fou? Je sais pas. Non, c'était bien avant. Oui. Mais ça a dû participer à sa folie. Ça a dû amplifier les choses. Voilà. Est-ce qu'il va revenir à la raison d'après vous ou pas? Mais j'en sais rien, je sais pas plus que vous. Hein. Je suis aussi perdu que vous. Savez qu'à faire le fou comme ça, il va se retrouver avec un coup de couteau dans le dos ou une balle dans la... Mais vous saviez qu'il était déjà pris en charge par les médecins et qu'il était au commissariat et que cet abruti, il s'est enfui du commissariat. Du coup, il va être recherché maintenant. ça va où votre histoire? Allez, expliquez-moi, je vois pas où ça peut aller. Quelle histoire? Là, tout ça, là, Vito, mes couilles et tout, là. On se porte mieux. Pour l'instant, voilà, comme le dit l'un de mes hommes, tout marche pour nous, ça a rien changé, ça s'est même amélioré. Maintenant, pour Vito, c'est mon affaire, hein, c'est mon histoire, c'est ma famille. Donc, pour l'instant, il pose pas de problème, en tout cas pour moi. Fait ce qu'il a à faire, j'en ai rien à foutre. Tout est normal, et vous, votre gueule, tout va bien, tout est normal. Mais écoutez, est-ce que je parle de sa gueule à lui? Il est très beau. Est-ce que je le crie sur tous les toits? Non. Vous pouvez. Voilà. Mais c'est quoi, vous avez du maquillage ou c'est des cernes, putain? C'est des putains de cernes, parce qu'ils vont tous me rendre fou, vous comprenez? Mais qui va vous rendre fou maintenant? Non. Tout le monde. Bon, et les bikers, ils vous ont fait quoi? Eh, je viens de vous le dire. Bah, répétez s'il vous plaît une dernière fois. Ils en sont pris à vous comment? C'est ce que je vais dire, je veux tout savoir en détail. Ils ont kidnappé Vito, ils l'ont torturé, etc. Pour lui poser des questions. Voilà, je vous en dis pas plus. Il s'appelle comment? Je sais pas. C'est pas, hein, mais je ne sais pas comment il s'appelle. D'accord? D'accord. Et vous n'avez pas peur que votre Vito, il ait pété un câble et qu'il dise des informations qui vous concernent ou qui concernent vos alliés à n'importe qui? Bah, si, j'ai peur, mais auquel cas, j'agirai en tant que. Soyez responsable, monsieur. Ouais. Mais je suis responsable, je me tiens responsable. Vous vous rendez pas compte que là, vous êtes potentiellement en train de foutre une merde pas possible là, avec votre frère à moitié fou? Écoutez, j'en suis conscient. Oui, bah écoutez, j'en suis ravi. En gros, je vous la fais courte, vous nous devez un service. Encore? Bah, ça a pas changé, hein. vous l'avez jamais rendu, hein, le service, hein, pour ce qu'on a fait pour vous. Hein. Bah, commencez par me dire votre service, parce que vous êtes très fort pour me dire « Oui, vous me devez un service, et vous me demandez jamais de service !» Écoutez, je vous explique, je vais vous la faire courte. Vous nous devez des services, d'accord? Des services, maintenant? Oui, bah bien sûr. Non, un seul service. Écoutez, s'il vous plaît. Moi, votre Vito, j'en ai rien à branler de ce qu'il fait, là. Qu'il se prenne pour un ornithorynque, une chaussette, ou qu'il s'identifie à un hélicoptère, j'en ai rien à branler. Par contre, voilà ce qu'on va faire. Et là, je vais être clair là-dessus. Je vous apprécie. Ensemble, tout se passe très bien. Oui. On a des très bonnes relations. J'ai pas à me plaindre. On est d'accord. Si jamais, par contre, Vito va à l'encontre de mes amis ou moi-même, c'est nous qu'allons devoir nous en charger. Écoutez, j'aimerais ne pas en arriver là. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez très vite ramener à la raison votre putain de frère, hein, d'accord? Emmenez-le au pute s'il veut se taper quelqu'un ou emmenez-le. Ah bah non, pardon. Voilà, mais. Je me tiens responsable de ses actes. Justement, d'accord. Monsieur Gino. Allez-y, finissez. En fin de semaine. Je reviens vous voir. Je vais retrouver les Italiens que j'ai connus. Si vous continuez à partir en couille, malheureusement, on va peut-être intervenir. On n'aura pas le choix. Si ça commence à devenir néfaste. Eh, moi, je suis pas là. Je fais pas de négo avec des gothicos, je sais pas quoi, ok? Que vous scarifiez des chèvres, des vaches ou je sais pas quoi, j'en ai rien à branler. Mais au bout d'un moment, moi, je suis venu parler à des Italiens. Je veux parler à des Italiens. Pas un mec qui se prend pour un caillou ou un putain d'arbre. Donc, vous allez régler vos histoires. Vous allez calmer. Mais là, c'est pas bon de vous fréquenter, là, en ce moment. Vous avez l'air dans une situation instable. Ah, bah là, pour l'instant. Bah voilà. Et moi, les situations instables... Mais je vous ai rien demandé, hein, vous savez. Non, mais les situations instables, ça... Ouais, mais ça fait peur. Et nous, mais on doit garder un œil sur les situations instables. Écoutez, moi, c'est très simple. J'ai un service à vous... Mais votre soeur est en train de chier dans le buisson ou qu'est-ce qui se passe? Ah non, je c'est vous normal. Espionne. Comment ça, vous nous espionnez? Enfin, je vous espionne pas, Enfin, bon, je m'en vais. Ouais. Ça serait discrète, quoi. T'en vas. Au pire, restez là, en fait. Je veux dire, si vous voulez entendre... Ah ouais. En fait, moi, j'étais pour tout et Vito, hein. Au final, si vous voulez mon avis.
En toute simplicité. On va s'en occuper de Vito. Non, mais votre avis est très intéressant, en tout cas. Merci de l'avoir donné, c'est noté. Donc, vous disiez, monsieur G. Je disais que je vous dois un service. Y a rien de plus simple, d'accord? Pour l'instant, est-ce que vous accusez du tort? Non, d'accord, je comprends que la situation dans laquelle on est peut vous faire peur, mais je vous garantis que ça va s'arranger dans les jours à venir. Ouais, vous comprenez bien qu'il est mieux de parler d'une situation avant qu'elle devienne irrécupérable. Exactement. Bien sûr, je suis pas débile. On vient faire de la prévention. On vient pas vous menacer, on vient juste faire de la prévention parce qu'encore une fois, on vous aime bien. Maintenant, réglez ça s'il vous plaît et faites en sorte que ça redevienne à la normale très rapidement. Vous pouvez me faire confiance, d'accord? Eh ben, dans ces cas-là, c'est noté, je vous fais confiance et je vous demanderai des nouvelles dans la semaine, en fin de semaine. Ça roule, messieurs? Très bien. Bon, ben merci à vous. Madame, on s'était jamais vu, si. Vous appelez? Ah si, on s'était... Gabriella, ma sœur. Je crois qu'on s'était vu il y a longtemps, oui, mais bon. Oui, d'accord, avec monsieur Don Salazar, c'est ça? Si, c'est ça, enchanté. D'accord, vous avez des nouvelles de monsieur Don Salazar, d'ailleurs? White, est-ce que tout le monde déploie pour... On m'a dit qu'il était retourné en Sicilia. D'accord, bon, on verra ça. Pas sûr. Bah, merci à vous, en tout cas. Merci pour l'accueil et on va partir, on va vous laisser. Monsieur Gino, je compte sur vous pour régler cette affaire très rapidement parce que là, ça se... Ne vous inquiétez pas, d'accord? Très bien, on s'inquiète merci. Pas. Merci. Je vous souhaite une bonne soirée, messieurs. Merci. Au revoir, monsieur et Gino. Et bonne soirée. Je vais l'accompagner. Oui, raccompagne-le. Au revoir, messieurs. Je vais vous ouvrir le cocktail. Au revoir, monsieur. Leur histoire, j'aime pas ça. Hein. Ouais, on en parlera. Montez dans la voiture et on va au taxi. Va falloir qu'on emprunte un véhicule si tu vois ce que je veux dire et qu'on se mette en tenue. C'est cela. Bon. Ok, Poison nous a filé un point. Ok, on va y aller, attends, hein, je mets au taxi. Tu veux qu'on aille se changer ou on prend une voiture et on va changer? On prend une voiture d'abord. Ok. On prend la voiture, on va au point. Une fois là-bas, on s'organise et je préviens à ta voix. Là, j'aime pas leur tournure, là, c'est non, ridicule. Moi non plus, c'est puéril, c'est de la merde. Hein. Ça a aucun sens. Ouais, leur délire, c'est ça pue la merde. Donc s'il va falloir qu'on prenne quelqu'un et qu'on l'encule, on le fera. Hein. Ouais, alors, ça va être intéressant à discuter avec le gars qu'on va voir, puisque lui, il est allié avec les Italiens. Ouais. Donc on va voir un peu, on va checker la température. Faut se mettre d'accord sur qui parle, vous ou Poison? Donne à Poison, hein, c'est lui le chef, hein, y a pas de souci. Ok, ok. Au pire, j'interagirai avec Poison, explique-lui qu'on fera entre guillemets un peu le duo pour les questions manquantes. Ouais. Autre, mais c'est lui qui prend les initiatives. Ok. Ah, laissez-moi ici, je vais trouver une bagnole. Je vous attends au service. Ok, à toutes. Ok. Ici Blue, est-ce que tout le monde est ok pour le rendez-vous qu'on a? Bah moi tu sais The que White, already. Je vais venir. Hein. J'ai besoin des autres, Fuchsia... Quel rendez-vous? Eh ben, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Allez tous vous mettre en tenue et Mo va vous envoyer un point. Ok. Ouais. On va rencontrer quelqu'un. N'empruntez pas l'autoroute, c'est sous le pont. C'est pas sur le pont. On va rencontrer quelqu'un, il n'y a pas à parler. C'est Poison et Boss qui vont discuter. Nous, on a juste à se montrer. Pas de conneries, pas de mots, rien du tout. Moi, c'est pas de mots, je suis là, moi. Je vais me changer. De quoi, Poison? Ça dit pas de mots. Excellent. C'est qui, Mo? Je sais pas. Blue pour Boss, j'arrive. Très bien. The White, j'arrive. Allez, on va changer. Si. Ouais, faudra reparler, on en reparlera demain là. Le temps que je réfléchisse la nuit de ce qu'on a vu là, parce que c'est ridicule. Je trouve ça éclaté. Ça a aucun sens. Ça a aucun sens et ça peut nous péter à la gueule. Attention. Parce que si Vito s'est déjà fait. Bonjour monsieur Gino, vous allez bien? Bah oui, on vient de se voir. Voilà. Votre délire là, je suis pas très fan. Je compte vraiment sur vous pour régler ça. Très vite, s'il vous plaît. Et je vous l'ai déjà exprimé tout à l'heure. Oui. Mais je tiens à insister sur le fait que ce soit très éclaté, si vous voyez ce que je veux dire. Très éclaté? Très éclaté, oui. Comment ça? Bah, vous prenez un vase, vous le mettez par terre. Il est éclaté. Ouais. Éclaté au sol. Ouais. Bah, voilà, c'est un peu. Voilà. Fuchsia pour radio, j'arrive, je suis sur la route. Tu vois, le truc gothique, c'est. Ok, n'oubliez pas, c'est pas sur le pont, c'est sous le pont. Écoutez, si vous m'en donnez. Si ça peut vous rassurer, je n'égorge pas des chèvres. Hein. Ouais. Maintenant, faites attention. Je ne juge pas votre style vestimentaire, moi, monsieur McCallaghan, et ça me peine énormément, d'accord? Parce que là, vous faites de la merde, là, ça pue la merde, votre délire. Mais non, c'est quoi votre truc, là? Le mec, il devient fou pour une meuf, je sais pas quoi, là. Eh ouais, mais écoutez, ça, c'est pas moi, hein. Bah voilà, vous prenez raison, s'il vous plaît, très rapidement, parce que c'est la merde. Je vous ai dit que j'allais m'en occuper. D'accord, à très vite alors. À très vite. Prends pas l'autoroute, hein, parce que c'est vraiment la merde, hein, les lieux de rendez-vous de Poison. Hein. Ah ouais? Ah oui. Sinon, tu vas t'en... C'est sous l'autoroute, tu vas t'embourber dans un délire. Essaye de quitter là, reste en ville. C'est vraiment la merde. Hein. C'est en bas, en fait. Ouais. J'ai trouvé un moyen. Là, tu vas voir, là, tu t'es mis dans un sacré bourbier. Ah ouais, tu crois? Oh oui. Faut que tu quittes cette autoroute de merde. Va vraiment falloir à l'avenir trouver des meilleurs. Toi, c'est un bâtiment plutôt? C'est un bâtiment. Mais c'est juste au fond. C'est juste au fond, hein. Là, je t'ai dit que tu t'es mis dans une merde, tu vas voir, hein. Non, t'inquiète. non, tu te rends pas compte. Si, c'est bon, je vois le bâtiment. Ah oui, mais je connais le point, ouais, je connais, c'est bon. La prochaine sortie, elle est dans à peu près une demi-heure. Elle est là, regardez, c'est le point de rendez-vous qu'on connaît. Oui, bah oui. Il va falloir expliquer le délire des Italiens à la con. Ouais, je te laisse attends. Le faire parce que ça m'énerve rien que d'y penser. Poison, c'est là où on se voyait d'habitude. Ouais, mais c'est de l'autre côté, l'autre porte est fermée, de toute façon. Ah bon?
Ouais, c'est juste de l'autre côté. De l'autre côté, comment ça? La casse, tu passes par la casse. D'accord, mais... C'est qui ça? Ça, c'est des gars qui traînent ici. T'es sûr? Ouais, sûr, putain. C'est un enfer, c'est un putain de labyrinthe. Aïe, 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 aïe. Il y a des gars partout, putain. Eh, niveau discrétion, ça marche bien. C'est où? Ah, c'est en face? C'est là, c'est en face. En face. Ouais, bon, on va plus jamais revenir là. Hein. Okay. Mettez tous vos voitures dans le sens de la sortie. Et rien de compliqué, on reviendra si j'ai envie qu'on vienne là. Ah bah tu reviendras. Mets ton seul. Point. Reste avec les autres. Voilà. Mets la voiture dans le bon sens. Quelqu'un pour prévenir Gold? Ah, mais Gold il répond pas à radio, il répond nulle part. Je pense qu'il est occupé avec ses activités de médecin. Ok, on va faire ça sans lui. Je vais essayer de l'appeler, attends. Bah c'est sûr, elle a trop bu lui. Voilà. On est très discret là dans cette casse avec pas mal de monde. Hein. Ah, les amis ici. Oui, il va falloir que tu répondes à la radio par contre. Bah, je suis dans la radio. Bah, t'y es, t'as compris bon. Qu'on s'était donné un point de rendez-vous ou pas? C'était très bien. Vous m'excuserez. Ah, bah, donc t'y étais pas. Ah, à moitié. Bah, donc t'y étais pas. Bonsoir bon, à tous. Bah, on continue sans toi malheureusement, à moins que tu. Il y a une personne, qui va arriver. C'est une personne très importante. Il y a Parkinson, les coordonnées, s'il te plaît. Poison, tu t'occupes de prévenir, je sais pas qui, c'est qui c'est Parkinson? Je sais pas, j'ai dit quoi? Hein, c'est qui ça? Mais okay. C'est qui lui? Eh, dégage toi! C'est Poison et Boss qui vont parler à la personne qui va arriver. C'est quelqu'un de très important. C'est qui d'ailleurs? C'est monsieur Milos Tavin. Il est à la tête d'un groupe qui est le plus organisé qu'on ait jamais vu aujourd'hui dans cette ville. Ce sont des gars qui travaillent sur la coke, ce sont des gars qui sont alliés aux bikers et aux italiens, ce sont des gars qui sont contre Iago Mora. L'intérêt pour nous, c'est qu'il rencontre le groupe, ça fait déjà longtemps que je discute moi seul avec lui. J'ai besoin qu'il voit le groupe et j'ai besoin de voir ce qu'on peut faire ensemble. Donc ça va être intéressant aussi de dire un peu, voir tâter le terrain sur ce qu'ils sont avec les italiens, parce que les italiens sont en train de partir en couille complètement. Donc je vais lui envoyer le point de rendez-vous. C'est ok pour vous, Poison et Boss? Ouais, après c'est par la casse, c'est pas par une autoroute. Si, si. Non, mais attendez, on va ailleurs. Non, mais c'est le seul endroit fermé, il veut ça, un endroit ça fermé. C'est de la merde quand même. Mais je m'en branle que c'est de la merde, que c'est mais pas non, de la merde. Parce qu'il y a très du bien. Monde partout, regarde. Ouais, on est tu en train de faire une putain de réunion avec un gars qui est là-bas. Oui, trop tard. Je le fume. Les tu sais comment il s'appelle? Je le fume. Est-ce que tu veux que je te dise comment il s'appelle et son histoire? Non, fumez le pas, il y a trop de monde ici, c'est ridicule putain. Ça s'appelle Jérémy. Ils vont arriver. Bon, on se met. Il faut qu'on ait une disposition qui importe. Où est Boss, où est Poison? Bah, devant vous. Levez les bras, c'est Boss ça? Boss. Ok, Poison. J'ai jamais changé le masque, monsieur. Eh ben, vous vous mettez tous les deux devant. Nous, on se met en retrait. Vous vous mettez derrière la voiture? On se met. Non, là, on se met ou derrière vous, tous les trois, tu quatre. Je veux pas que j'aille me poster avant. Eh, dites bien à Parkinson de venir en tenue. C'est lui là? C'est qui là? Vous êtes qui? Ouais, c'est moi. Ouais. Ok, bon, Parkinson est. Tu veux que je me poste avant pour surveillance? Il y a des gars qui vont arriver, ils vont discuter avec Boss et Poison. Tu ne parles pas, personne d'autre que deux discute, ok? Bien pris. Nous, on est juste là pour faire de la figuration. Donc, ça marche. Si tu veux, Yellow va te poster quelque part. Ok, vas-y. Qu'est-ce que c'est le mieux? Qu'on se mette tous derrière eux ou qu'on se mette à des points divers de la casse? Au pire, on envoie une personne en surveillance devant. Bah, c'est à toi de parler, hein. Vas-y. Hein. White, tu restes avec nous. Yep. Non, tout le monde reste là. Je veux que tout le monde entende bien. Et je vais dire à Yellow de rester vers l'entrée. Blue pour Yellow. Je suis en place, tu me vois? Ouais, je te vois pas. En tant que Dimitri. Hein. Va te mettre vers l'entrée. Et vu sur l'entrée, ne sois pas visible. Les gens voient pas un mec masqué. Ok. Si j'ai bien compris, ils veulent du lourd, c'est ça? Faudrait voir où ils en sont et oui, on peut leur proposer de leur vendre des armes lourdes. Ok. Poison et Boss, vous allez être ici, là où je suis, bien devant, tous les deux, côte à côte. Et nous, c'est à l'intérieur, surtout. Ah, ce sera dedans? Bah oui, mais attends, tu m'as demandé un endroit fermé. Ah ouais, bâtiment. Ouais, ok, bien. Bon, bah on va peut-être se mettre. Ah, parce que sinon, on se casse, hein, sinon. Allez, vous mettre dedans. Yellow est en place, c'est bon. J'ai visé sur l'entrée et. Allez, ça se voit très bien, les rênes, ça vient de Sibérie, on va allez dire. Allez tous vous mettre en place avec les autres à l'intérieur. Tu m'excuseras, mais j'ai bien monté l'escalier au sol. Oh les gars, vous avez vu les nuages qui arrivent là, c'est un cumulus. Ouais, on peut me faire chier cumulus, en temps. C'est un bus, je le connais bien, c'est juste. Il va y avoir un problème de véhicule avec la tempête. C'est pas grave, on est dans une place, on retrouvera des bordels. Ok. On se cale ici et c'est très bien. Voilà. C'est coquet, hein? Et c'est cocasse. Monsieur, je vais m'allonger sur ces copeaux de paille, ça a l'air bien confortable. Allô. Poison et Boss ici, on se mettra derrière vous. Quand vous repartirez, messieurs. White, je suis en place. Faites très attention à de ne pas être suivi pour pas que des gars, eux, vous suivent et reconnaissent vos identités. Ouais. Bon, je vais aller voir si la porte est verrouillée de l'autre côté, sinon je la déverrouille. Un coup de pied. Je vais les attendre dehors. Putain d'employé qui casse les couilles là. Ah, il y avait un employé? Ouais, ça casse les. L'autre, il va voir son avocat parce qu'il y a un article qui lui plaît pas alors qu'il est journaliste, ce chien. Je vais vous dire le nombre de véhicules et le nombre de personnes. Pas de soucis. Très bien. Et quand on partira, tu feras très attention de ne pas être suivi pour quand tu iras te changer. Ouais, t'inquiète, pas de soucis. Messieurs, cette réunion, fais vite s'il vous plaît, parce que j'ai mis
des nouilles sautées à cuire à la maison. Ok. J'aimerais éviter que ça explose. Tu fais tourner, fais chier. La tempête, je sais pas, je vais voir où ils en sont. N'oubliez pas, vous êtes complètement masqué, donc vous pouvez changer votre voix. Je sais même plus de quoi on devait lui parler. Dans quoi il traînait, ce qu'il connaissait, et il voulait des armes lourdes pour le blanchiment. On est les seuls à connaître l'endroit. Ils sont en route, ils vont arriver bientôt. Je crois que le groupe n'a jamais été aussi calme. Eh ben tant mieux, c'est très bien comme ça, un peu de silence, tu vois. 4 véhicules 40, messieurs, 4 véhicules, un blanc, 3 noirs. 2 personnes à la première, un seul à la deuxième. Ils avancent doucement. Allez, go. Ok. Arrêtez-vous. Ça me dit quelque chose, ça. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Privyet. Voilà, on va se présenter d'abord. Ça à ma gauche, Dimitri. Qui parle, excusez-moi, parce que... L'homme à la cagoule devant vous au gilet. Moi, c'est Poison. Ok. D'accord. À ma gauche, celui qui veut les mains, c'est Dimitri. Très bien. Vous êtes qui? Moi, je me s'appelle Milo Stavin. D'accord. Et à ma gauche, se trouve Bird et Snake. Bird et Snake, très bien. Du coup, on m'a dit que vous souhaitiez nous rencontrer. Bah écoutez, moi je traite avec un de vos hommes depuis pas mal de temps en ville. Il sait à peu près ce que je fais, il voit à peu près comment je travaille. Moi j'avais une très bonne rencontre avec ce monsieur. Ok. Et effectivement, il m'avait proposé de vous rencontrer pour qu'on puisse voir s'il n'y avait pas moyen de travailler un peu plus... Un de nos hommes? Oui, un de vos hommes, ouais. Très bien, comment s'appelle-t-il? C'est un piège, ça, ou... Non, comment s'appelle-t-il? Il s'appelle Emmanuel Racal. Très bien, ce n'est pas un de nos hommes. D'accord. C'est quand même lui qui m'a fait vous faire rencontrer et qui m'a dit que c'était votre groupe, mais... Bien sûr, mais je préfère être clair avec vous, ce n'est pas un de nos hommes. Ok. Voilà. Du coup, vous attendez qu'on travaille ensemble sur quel type de projet? Moi, je travaille exclusivement sur la cocaïne. Ok. Je travaille avec d'autres groupes sur la cocaïne. Ouais, faut montrer qu'on en est bonne là. Intelligence. Y a pas de... J'ai rencontré quasiment tous les groupes en ville, justement, pour leur présenter un peu mes plans quand ils travaillaient sur le business de la coke, qui est un business très risqué, qui est devenu beaucoup plus risqué que ce qu'il était au début. Donc on s'entraide, c'est-à-dire qu'ils me préviennent quand ils vont notamment sur les points, on puisse savoir un peu ce qui se passe et qu'on puisse ne pas se marcher sur les pieds, si vous voyez ce que je veux dire. Et les seuls problèmes que j'ai pour le moment, ce sont avec certains groupes qui, justement, eux, attirent beaucoup les policiers sur place et donc mettent en péril mes hommes ou mes alliés. Certains groupes, lesquels? Écoutez, ça, pour le moment, je garde ça pour moi. D'accord. C'est tout? Juste pour la cocaïne? Bah, écoutez, après, votre homme m'a présenté une photo qui, moi, m'avait beaucoup intéressé. C'est hello. Votre contact. Très bien. Monsieur Racal m'avait présenté une photo qui, moi, m'avait beaucoup intéressé. Savoir une photo d'un homme en AK. Donc, je suppose que, en tout cas, votre contact sait où se trouve le vendeur d'armes lourdes. Alors, je sais que tous les autres groupes connaissent quasiment... Tout le monde sait où se trouvent les armes légères, mais je crois que pour les armes lourdes, pour le moment, Emmanuel serait le seul à le connaître, potentiellement, votre contact. Et donc, moi, ça m'intéresse évidemment dans ce sens-là, puisque moi, je brasse quand même beaucoup d'argent sale, et cet argent sale servirait notamment à acheter des armes pour mon groupe. Ok. Il m'a déjà parlé du fait qu'il y aurait une commission à prendre. Ouais. Si la commission me convient, et vous convient également de votre côté, et ben, écoutez, on pourrait travailler là-dessus ensemble. Ok, très bien. Que je passe par vous pour acheter ces armes-là. Ouais, très bien, mais juste une question. Pourquoi vous êtes venu non masqué, vous? Parce que personne ne sait ce que je fais en ville, moi. Maintenant, moi, on le sait. Ouais, mais moi, je suis l'image légale de mon groupe. Je suis le représentant. D'accord. Maintenant, est-ce que je suis le chef? Est-ce que je suis pas le chef? Vous voyez? Ok. Et puis, j'ai rencontré tous les groupes à visage démasqué. Je suis en très bonne relation avec d'autres groupes, avec d'autres personnes qui ont aussi le visage démasqué. Je fais attention à qui je rencontre, avec qui je parle, et j'ai beaucoup d'infos sur la ville. Donc, je sais ce qui peut m'arriver ou pas m'arriver. Très bien. Écoutez, pour la cocaïne, on peut bien s'entendre là-dessus. J'en ai rien à branler que vous fassiez de la coke, que d'autres personnes font de la coke. On est juste là pour brasser et faire de la thune. C'est ça. Maintenant, une seule embrouille, ça va vite partir en couille. Bien sûr, mais ça, c'est réciproque. Et ensuite, pour les armes, là, on va commencer par s'arranger. C'est-à-dire que pour le pourcentage, ouais, qu'on prendra sur les armes, sur la vente. Ouais. On peut vous vendre les armes, effectivement, mais le prix de l'arme, par rapport à notre prix d'achat, il augmentera de 20%. À chaque fois que j'en achète? Ou est-ce que plus j'en achète, plus le pourcentage diminue? Du moins la première fois. Si on voit qu'on peut bien vous faire confiance, le prix diminuera. Et quand je dis 20%, j'ai pas encore fait le calcul. Et imaginons qu'une arme, on l'achète 70 000, on vous la vendra 100 000. Peut-être. Pourquoi peut-être? Parce que j'ai pas encore décidé quel prix j'allais mettre. Et ça dépendra de l'arme et de la demande. D'accord. Mais je pense que les prix, on verra le jour où vous souhaiterez acheter. Ok. Et comment vous voulez procéder? Alors, vous avez déjà une idée quand on fera les achats? Bien sûr. Vous passerez par le contact. D'accord. Et il organisera une autre réunion comme celle-ci. D'accord. Et si entre temps mon argent se perd parce qu'un de vos hommes se fait choper? Comment ça se passe? Si votre argent se perd parce que l'un de mes hommes se fait choper, c'est-à-dire? Bah écoutez, moi je donne mon argent, par exemple les 100 000, je les donne à monsieur Racal qui les contacte. Emmanuel se fait, je sais pas, arrêter sur le chemin pour aller vous donner vous l'argent pour que vous puissiez l'acheter au point que vous avez. Et donc mon argent est perdu, j'ai perdu mes 100 000 et j'ai pas mon arme, comment on fait? Mais ça n'arrivera pas, monsieur. Vous posez des questions existentielles. Comment on fait si demain la planète explose, monsieur? Écoutez, moi j'ai déjà un arrangement avec un autre groupe pour l'autre point, et cet arrangement me convient. Il n'y a pas besoin d'arrangement, votre argent ne sera pas perdu, il sera compté jusqu'au dernier billet. Ok. Si jamais il est perdu,
on assumera, vous inquiétez pas. C'est tout ce que je voulais entendre. Et dans tous les cas, s'il est perdu, le contact disparaîtra. Très bien. Il sera rayé de la liste, très si bien. Vous avez peur qu'il parle. Puis-je poser une question, monsieur ? Par rapport à votre pourcentage, vous souhaitez de l'argent utilisable ou de l'argent... N'importe. Pour le pourcentage, vous en fichez si c'est de l'argent sale ou de l'argent propre. N'ai rien à branler. Ok. L'argent, c'est de l'argent. Soit sale que soit propre, j'en sais rien s'il est sale ou propre qu'on vous le filet. Très bien. Qu'est-ce que vous attendez de moi et de votre côté ? Que vous tenez vos engagements. C'est-à-dire, si l'un de mes hommes va faire de la coke, bien sûr, on va rester en contact. Est-ce que votre contact, justement, vous avez déjà expliqué un peu la manière dont on fonctionnait ? Non. Bien, votre contact aurait dû vous dire que nous avions mis en place un Dark Chat qui s'appelle Cooper. C-O-O-P-E-R. D'accord, très bien. Chiffre 0, nous on travaille. Chiffre 1, vous travaillez. Et si on se croise, il n'y a pas de problème. Très bien. Mais nos hommes qui brasseront rejoindront ce Dark Chat. Parfait. Et ils vous signeront dès qu'ils iront dessus. Parfait. Comme ça, tout le monde sera content. Pas une embrouille, tout va bien. Une embrouille, d'avance, vous serez mort s'il y a une embrouille. C'est réciproque. Très bien. Merci, Zoris. Est-ce que vous auriez un bon code à donner si on se croise sur les points, mais qu'aucune information n'a été donnée, pour être sûr que c'est bien vous? Emmanuel m'avait parlé du fait que vous étiez en moto quand vous faisiez la drogue. Certains, oui. Généralement, oui, mais en moto. Mais on prend ce qu'on trouve. Ouais, bien sûr. Nous, on est toujours en voiture sportive. Ok. Mais ça, c'est simple. La tenue que je porte actuellement, ce sera la tenue qu'ils porteront. D'accord. Si je peux me permettre, pas mal de groupes utilisent le même genre de tenue, donc c'est compliqué de différencier. Nous avons des noms de couleurs. Est-ce que vous aimez les arcs-en-ciel, monsieur ? Ouais, donc si j'arrive sur le point que je dis arc-en-ciel et que ça répond arc-en-ciel, il n'y a pas de problème du coup. Voilà, vous avez compris. Et nous avons des noms de couleurs. Très bien. Nous avons des noms d'animaux pour notre part. Très bien. Eh ben, on arrivera à s'entendre. Voilà. Et dernière chose, n'essayez pas de savoir qui a derrière tous ces masques. On n'essaiera pas de savoir qui a derrière vos masques. Ça paraît être une évidence. Bien sûr, mais des fois ça l'est pas vraiment, chez certaines personnes. Vous savez, moi j'en ai strictement rien à foutre hein, qui vous attend. Je vous le dis très franchement. À partir du moment où vous voyez en mode intelligence, qu'il n'y a pas de problème, moi je m'en fiche. Effectivement, vous m'avez mis en garde, si jamais ça se passait mal, je serais mort. Je vous mets également en garde là-dessus. Si ça se passe mal, vous êtes mort. Et je peux vous assurer, je vous retrouverai. Eh bien, très bien. J'ai une petite question pour vous, messieurs. Dites-moi. Si je puis me permettre, est-ce que vous travaillez avec des Italiens ? Pourquoi cette question ? Pourquoi pas ? Ça peut m'arriver d'aller manger des pizzas, ouais, si c'est ça que vous voulez savoir. Très bien, vous avez eu des nouvelles d'eux récemment ou pas ? Vous savez, il y a beaucoup d'Italiens en ville, hein ? Bien sûr, mais vous savez très bien desquels je parle. Je suis en très bon contact, ouais. D'accord, et tout se passe bien avec eux alors ? Ce sont mes alliés les plus proches, ouais. Très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Ne vous inquiétez pas, nous avons rien contre eux, bien au contraire. Parfait. Eh bien, si vous voulez également avoir une preuve du fait que nous, on travaille bien, dans ce cas-là, demandez-leur et vous verrez ce qu'ils vous diront. Ça va être compliqué en ce moment. On va dire qu'ils sont pas au maximum de leur forme, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais, je suis d'accord avec vous. Voilà. Et on le verra de nous-mêmes. C'est pas un autre groupe qui va nous dire si vous êtes des gens fiables ou non. C'est seulement nous. Ok. C'est bon pour vous ? D'autres questions, Dimitri ? Pour moi, tout est bon. Et alors, moi, j'ai pas d'autres questions. Comment je fais pour vous contacter en dehors du Dark Chat ? Je passe exclusivement par Emmanuel ? Tout à fait. Le contact. Ok. Jamais de contact direct. Très bien. Oui, ben, on fait comme ça, alors. Ouais, et j'espère que c'est l'une des dernières fois où on va tous se rencontrer. Ça évite les problèmes. On est d'accord. Passez une bonne soirée, messieurs. Bonne soirée. Passez une bonne soirée, messieurs. Fuchsia, va vérifier s'il y a personne qui traîne derrière un ballot de paille ou autre. Ok. Et attends, viens, on va aller voir pour passer par derrière, nous. Ok. Bon, ils sont plutôt bien organisés. Ouais. Avec leur radio et tout, c'est plutôt une bonne idée pour le coup. Leur système binaire. C'est vous qui sortez de l'usine ? Par contre, ils font pas peur. En tout cas, pas pour l'instant. Ça, on peut en manger au petit déjeuner. Mais c'est très bien qu'on ait contact avec eux. Va falloir commencer par leur vendre des choses. Pour leur montrer qu'on est fiable, tu vois ce que je veux dire ? Ouais, je vois. On va voir aussi à quel prix on leur met les armes. Bah, 20%, hein, ça me paraît pas mal. Hein. Ah, mais je connais ici. Bien sûr. On était juste de l'autre côté. Ouais, mais là ça va nous faire sacrément de marche quand même. Bah y'a plus de voiture de toute façon. Ouais c'est vrai. Donc on a juste en volume maintenant. Ouais c'est vrai. Bon bah c'est pas mal. Oh putain, lumière du jour. Messieurs, partez sans vous faire suivre s'il vous plaît. Une fois que vous êtes éloignés, retirez vos masques, allez vous changer et faites attention à vous. Tout s'est plutôt bien passé pour le coup. Ouais, il faudra juste qu'on se voit, Poison, vous et moi. Au bureau, t'es bien retrouvé. Ok, on se retrouve. Tu pourras changer la base, je prends plus ça. Au bureau ? C'est quoi le bureau ? Le bureau. Okay. Le bureau maintenant. Je connais pas le point, je t'ai préféré te retirer de l'histoire hein, quand il disait... T'as bien fait, t'as très bien fait. Voilà. Il y a juste un truc qui est dommage, c'est d'avoir dit qu'on faisait 20%. Ils ont pas à savoir la marche qu'on fait sur les armes. C'est pour ça que je leur ai dit que je savais pas comment aller faire. Ok. Et c'est 20%, mais je sais pas comment faire, je connais même pas le prix des armes. Ouais, je t'enverrai les prix et... Désolé monsieur. En salle par contre, le propre nous sert à rien. Leur argent va nous servir à acheter des armes. Oui, mais si c'est du propre, ça peut quand même être utile. Oui. On s'en fiche, de toute façon je pense qu'ils paieront c'est ça. Parce que t'imagines que pour le rendre propre, ils vont perdre un pourcentage, puis nous on va faire des sacrés pourcentages aussi, tu vois ou pas?
Bon alors, mène-nous à une boutique de fringues. Tiens, juste là. Je rentre au service taxi, je me mets deux doigts dans le cul, et je vais peut-être faire une petite partie, là, sur le nouveau jeu, là, qui est sorti il y a pas très longtemps. Ouais. Ouais. Call of Duty. Un truc comme ça. Ouais, je vois. Alors, ça s'est plutôt bien passé, honnêtement, pour le coup. Il fallait pas, ça sentait qu'il était un petit peu fébrile, mais fallait quand même montrer qu'on avait un moyen de mettre la pression. Je lui ai pas mis la pression, on n'a pas fait de menace. On a juste été clair, c'est important d'être clair dans ce genre de situation. De dire ok, tu fais une bêtise, on peut te tuer. Et lui, la preuve, il a direct répondu et il a bien fait. Bah tu fais une bêtise, on peut te tuer aussi. Donc c'est donnant-donnant. Il faut montrer que chaque groupe est puissant. On peut pas se permettre de montrer un point faible. Bon d'accord, ils ont fait m'écraser. On peut pas se permettre de montrer un point faible, tout comme eux ne peuvent pas se permettre de montrer un point faible non plus. Donc c'était, pour le coup, la réaction était très bonne et ça s'est très très bien passé. Ouais, est-ce que je... Excusez-moi monsieur, hein, désolé. Oh putain. Putain, mais ouais, mais là je suis cramé dans ça, sa merde. Tellement loin, ok. Fuchsia pour Radio, Gold et moi, on s'est changé et on n'est pas, on n'a pas été suivi. Terminé. De même, je rentre au service et je vais à l'hôtel.